Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je repasse derrière la caméra cette fois-ci pour un petit dico avec Prada. On va ajouter deux mots, le mot cache et le mot cherche. Comme d'habitude, je vous renvoie au dico de Meiko avec Meiko, comme ça vous verrez les ordres exécutés par Meiko à l'époque. Je vous mets la petite fiche. Pour les explications, pour le cash, on est parti du principe que tout ce qui traînait dans les parcs ne nous appartenait pas, genre une balle, un ballon, n'importe quoi, un bout de bois, et on va l'emprunter, jouer avec et le reposer à un endroit, le cacher pour que Prada puisse le récupérer lors d'une prochaine promenade. L'ordre recherche, ça va être pour tout et n'importe quoi. Je vais pouvoir m'amuser avec une balle, avec n'importe quel jouet, avec un bout de bois, mais aussi avec les personnes, des endroits, tout et n'importe quoi, encore une fois. Le principe, hop là, remonte donc sur la table. Le principe, c'est de mettre le chien en mode recherche, comme son nom l'indique. On va vous montrer quelques situations avec Prada. C'est parti, Loulou, tu peux descendre. Ok, on va décomposer en deux. Prada, pas bouger. Prada, regarde papa. En tournant ta tête à droite, s'il te plaît, regarde-moi. Excellent, cherche! Ok, j'accélère. Prada, viens me voir. On va ranger cette balle qui ne nous appartient pas. Prada, on va la cacher quelque part, que tu puisses la retrouver. Prends! Excellent. Prada, tu vas me la cacher. Cherche-moi des hautes herbes, par exemple ici, et cache. Allez, Prada, monte. Tu la caches. Où est-ce que tu peux la cacher, Prada? Réfléchis. Monte, 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 monte. Voilà. Prada, tu la caches? Cache, Prada. Je crois qu'elle est très bien cachée. Et ça veut dire quoi? Tu as bien compris. C'est qu'on rejouera après. On s'en va. Tu viens? Tu peux avancer, Prada. Avance, avance. Vous voyez, Prada va oublier sa balle puisque l'objectif, c'est de cacher. Ça veut dire on n'y touche plus. Donc là, nous, on va aller faire un petit tour avec Prada, faire d'autres situations pour ce petit dico. Et puis, on va revenir, par exemple, un petit pipi. Et puis, on va revenir plus tard et je vous montrerai comment elle va rechercher l'objet alors qu'on aura joué un bon petit moment entre-temps. L'ordre recherche est toujours associé à un mot. Si je n'en dis pas, eh bien, elle va chercher un petit peu dans tous les sens sans vraiment savoir quoi chercher, mais elle va mettre le nez au sol. Donc là, je vais lui dire, avec un petit morceau de bois derrière, ce qu'on va dire, Prada, regarde-moi, cherche le bois-bois. Excellent! Excellent, ma louloute! Tu le lâches? Viens me voir. Prada, assise. Oh là là, c'est pas facile. Assise, louloute. Maintenant, on a un petit peu de monde autour. On va associer avec des personnes. Prada, est-ce que tu chercherais pas quelqu'un? Riff? Il est où, Riff? Tu le cherches? Vous voyez que le bois-bois est complètement oublié. Là, elle regarde les directions, à gauche et à droite. Les accès potentiellement où Riff pourrait arriver. Et maman, elle est où maman? Tu la cherches? Oh, elle n'est pas là. Prada, tu peux te débloquer. Va chercher plutôt ton bois-bois. Tu peux retourner sur le bois-bois, Prada. Et je redébloque avec un autre mot. Prada, cherche! Donc là, je la mets juste en stimulation, elle sait même pas vraiment pourquoi, mais elle se met à chercher. Elle trouvera bien ce qu'elle aura envie de trouver. Une canette! Cherche une canette! Mais oui! Tu la mets à la poubelle? Allez, va la mettre à la poubelle maintenant. Vas-y, cherche la poubelle. C'est excellent! Bravo! Ok, donc pour le dernier cherche de cette vidéo, vous allez voir à quel point le Malinois est incroyable pour ça en termes de mémoire et d'objectif. Elle va oublier tout ce qui se passe autour, elle n'aura qu'un seul objectif, c'est d'aller récupérer ce qu'on a caché tout à l'heure. Il s'est passé en gros quoi? Allez, une grosse demi-heure, on a joué, on a fait de la balade, on est parti assez loin. Et on revient à ce point-là et vous allez voir à quel point elle a une mémoire infaillible, elle va retrouver l'endroit précisément quand je vais lui dire d'aller la récupérer. Prada, il va falloir qu'on discute un petit peu tous les deux. Tu sais où on est? On est dans le parc. Regarde-moi.
Je crois que tu as caché quelque chose tout à l'heure. Il s'agirait d'une babale que tu aurais cachée dans les hautes herbes. Va me la chercher. Cherche. La mémoire est en train de se remettre en place. Volontairement pas de montage, vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Je l'ai perdue de vue, elle n'avait qu'un seul objectif, elle reviendra avec sa balle, quoi qu'il arrive. C'est excellent, mais oui, montre bien ta babale à la caméra. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. De nouveaux mots donc pour Prada, on essaiera de faire des tutos sur le sujet si ça vous intéresse. On fera une vidéo spécifique sur le cache et cherche avec de longs espacements en termes de distance et de temps. Vous verrez que c'est assez impressionnant. Et puis on se retrouve encore prochainement pour des vidéos d'ICO et d'autres vidéos avec Prada et Riff sur la chaîne Meiko Malinois. Ciao.